Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Voici les titres. Introduction de la déclaration des services aux citoyens dans nos mœurs administratives. Tel a été donc le thème d'une réunion qui a été organisée par le ministère du Travail. Et pour la première fois depuis 14 ans, la Corée du Nord et la Corée du Sud connectent une route à la frontière. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a reçu dans son bureau une délégation conduite par la représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique de l'Est et auprès de l'Union africaine VD Obaor, accompagnée donc du représentant adjoint. Et l'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique. Les discussions ont porté donc entre autres sur la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui aura lieu le 10 décembre prochain. Et les deux parties ont également examiné la possibilité d'organiser donc une conférence régionale à Djibouti au début de l'année 2019. Et le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration a procédé donc hier à la clôture d'un atelier d'implantation sur la déclaration des services aux citoyens. L'objet de cette formation s'inscrit donc dans le cadre de la politique générale du ministère du Travail et ce donc dans le but d'amorcer une gouvernance administrative plus accessible aux populations et plus soutenable pour le développement social et économique. Le secrétaire exécutif a rappelé dans son discours que donc dans une mission en décembre 2016, 10 ministères avaient procédé à l'élaboration donc de leur propre déclaration de service aux citoyens avec l'encadrement grâce auquel le SECRA et les ministères concernés pouvaient donc réaliser un volet d'intervention de modération pour la démocratisation du recours à la DSS. D'autre part, dans sa gestion, notamment, il était souhaité qu'elle devienne un facteur clé et vive, impulsif, capable d'accompagner, de soutenir la croissance économique du pays et d'être en mesure d'apporter un soutien stratégique à l'élaboration de la politique publique. Et pour sa part, le ministre du Travail, Hassan Idriss Samri, a déclaré donc que le processus d'implantation des services aux citoyens est une mission très importante. Pour que cette mission soit une réussite, il faut, a-t-il dit, qu'il y ait des efforts considérables dans l'implication des autorités politiques pour rendre donc effective l'appropriation de la déclaration au service des citoyens dans les structures administratives. On écoute le ministre. Il y a tout juste des années, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration lançait la déclaration des services aux citoyens qui jette les bases d'une nouvelle approche du service public fondée sur l'efficience. En effet, l'accroissement observé du nombre de doléances mettant en cause la qualité des prestations délivrées par l'administration formulé par les usagers lors de la rencontre du chef de l'État avec la société civile pour cerner son attente, a abouti à cette charte. 11 ministères ont été ciblés pour porter les projets et appliquer les valeurs énoncées dans la déclaration de services aux citoyens. Ces deux années ont été fructueuses, de gros progrès ont été réalisés. Ceci se concrétise principalement au niveau de l'appropriation des standards de service, à savoir aménagement d'une aire d'accueil dissociée des autres services, amélioration du fonctionnement des services d'accueil dans la prise en charge des usagers, mais également réduction du temps de traitement des requêtes. Les travaux du 8e sommet Africité, le plus grand rassemblement des villes et des collectivités territoriales d'Afrique, se poursuivent à Marrakech, au Maroc, pour le 3e jour, sous le thème « La transition vers des villes et des territoires durables, le rôle des collectivités territoriales d'Afrique ». Ce sommet, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, réunit plus de 5000 participants, dont des acteurs de la vie locale, du continent et partenaires issus d'autres régions et des ministres en charge de la décentralisation. La République de Djibouti y est représentée par le ministre délégué
délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, qui dirige une délégation de hauts cadres de son département et de représentants des collectivités territoriales. C'est la première participation de Djibouti à cet événement triennal, permis donc par le contact et l'invitation par le ministère à la décentralisation en février dernier d'une mission des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique à tenir un atelier d'échange avec les acteurs de la décentralisation djiboutienne. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu donc hier jeudi une importante délégation de la société PetroChina. La délégation était entre autres composée du vice-président de la compagnie et en même temps directeur général de PetroChina International. Et PetroChina Company, donc le plus grand producteur et distributeur de pétrole et de gaz en Chine, et joue un rôle dominant dans ce domaine. C'est aussi l'une des plus grandes sociétés pétrolières au monde. Les discussions entre le président de l'autorité des ports et les responsables chinois étaient principalement basées sur la coopération du projet de parc pétrolier dans la zone industrielle de Damerjog. Les deux parties ont aussi évoqué d'autres possibilités de coopération. Notons au passage que PetroChina a déjà gagné l'appel d'offres sur l'approvisionnement de produits pétroliers vers Éthiopie. Cependant, ils sont intéressés à investir également le dépôt de stockage de pétrole à Damerjog. Ils sont également intéressés par le pipeline du Sud-Soudan Djibouti, car ils ont des blocs de pétrole au Sud-Soudan qui produisent et exportent déjà. La Commission nationale de droits de l'homme, en collaboration avec le réseau arabe pour l'institution nationale des droits de l'homme, donc, ont organisé hier une cérémonie de clôture d'un atelier de formation sur les discours de haine, extrémisme religieux et idéologique. La cérémonie de clôture a été présidée par la vice-présidente de la Commission nationale de droits de l'homme et animée par deux experts. Le thème abordé donc portait sur les discours de haine et l'extrémisme de tous bords, un thème donc opportun et nécessaire au vu du climat de haine, de guerre qui prévaut actuellement dans le monde. Il faut également signaler la forte participation des leaders religieux ainsi que les organisations de la société civile. Les religieux, les imams, mais aussi les gens, les militants des associations qui militent en faveur des droits de l'homme, afin qu'on puisse parler librement, échanger autour de cette thématique. Sport à présent, les épreuves sportives scolaires de la troisième phase du championnat scolaire de l'enseignement de base de football se poursuivent dans des bonnes conditions sur la pelouse du grand stade municipal. Cette nouvelle saison sportive concerne pour le moment les élèves de l'enseignement de base âgés entre 11 et 13 ans de la circonscription de Djibouti 3. Rappelons que ces activités sportives s'inscrivent dans le cadre de la détection des jeunes talents du sport dans le milieu scolaire. Ce tournoi mettra en opposition plusieurs écoles de la circonscription de Djibouti 3, et ce dans un esprit de fair play digne des grands sportifs. Et après le championnat scolaire de football inter-école de l'enseignement de base, ce sera au tour des élèves des collèges et des lycées de s'affronter dans des tournois visant généralement les sports collectifs comme le football, le handball, volleyball et basketball sur l'ensemble du territoire. Au stade municipal, pour organiser la troisième phase du championnat scolaire de l'enseignement des bases au niveau du football concernant la détection de jeunes nés entre 2007, 2008 et 2009. Cette compétition était basée au niveau des écoles de Djibouti 3. Fait divers donc pour clore l'actualité nationale. Le commissariat de police de Hodan a effectué hier soir la saisie d'un important lot de matériel de construction qui a été dérobé de la société chinoise responsable de la construction de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti située au PK23. L'enquête a été menée suite à la plainte déposée par les agents chinois de la société chargée de la construction de ce grand chantier de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Au total, ce sont 5 individus qui ont été donc arrêtés et un important lot de matériel a été également saisi. Ce lot de matériel est estimé à plus de 2 millions de nos francs. Le directeur du commissariat de police de Hodan, lieutenant-colonel Saïd Absi, a félicité les agents de la police judiciaire qui ont mené cette enquête minutieusement et qui a abouti dans un délai record. Et de son côté, l'adjudant-chef Abdurrahman Soubane Kawalié nous a expliqué donc que l'auteur présumé est un récidiviste qui a été aidé par des chauffeurs afin de s'accaparer de tous ses matériels de construction ainsi que du gardien des lieux. Il a par ailleurs rappelé que ses auteurs présumés seront traduits devant la justice. Soudeur, instrument et mesure, patrie d'une valeur totale de 2 millions de nos francs Djibouti.
Les auteurs des faits seront traduits ce jour même à 10h. Et de la loupe à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Alors en République démocratique du Congo, Fardous, la campagne présidentielle a été lancée. En effet Ahmed, lancement officiel de la campagne présidentielle en République démocratique du Congo. 21 candidats briguent la place du président sortant Joseph Kabila. Les élections sont prévues le 23 décembre après 2 ans de report d'attente. Une campagne électorale qui s'ouvre en République démocratique du Congo pour la tenue d'un triple scrutin présidentiel, législatif et local. Les 21 candidats briguant la succession du président Joseph Kabila, dont notamment le chef de l'État a lui aussi choisi son dauphin pour faire front à l'opposition. L'opposition aussi avait choisi un même candidat, Martin Fayoulou. Fer de lance de la mobilisation, le président Kabila n'a fait aucune déclaration à la presse. Quant aux 2 dissidents de l'accord de Genève, ils sont toujours, Ahmed, en discussion à l'étranger autour d'une éventuelle alliance. Et nous restons en Afrique, Fardous, au Niger notamment. 8 morts dans une attaque contre le camp d'une société française. En effet, Ahmed, cette attaque est survenue dans la nuit de mercredi à jeudi. À 2h du matin, un groupe de terroristes a appelé le bâtiment donc à se reposer. Une équipe de fourreurs et de techniciens de Farako dans le village de Tomour a indiqué la société et ralusté. Donc, dans un communiqué, les assaillants ont ouvert le feu sur le personnel qui dormait. 5 autres personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, dans l'attaque de ce bâtiment choisi. Donc, en accord avec les forces armées nigériennes chargées de la protection du personnel. Donc, les obsèques de ces 7 victimes ont eu lieu donc jeudi, en présence notamment du gouverneur de Diffa, Mahamadou Bakabé. Et 2 attentats se sont produits au Pakistan, Fardous, et la Chine est visée également. En effet, donc, ces 2 attentats, dont le premier a fait au moins 31 morts et plus de 50 blessés dans un marché des zones tribales au nord-ouest du pays. Un engin explosif avait caché dans un carton de légumes, selon des sources autoritaires locales à Karachi. C'est le consulat chinois qui avait été visé par une attaque perpétrée par des hommes armés. 4 personnes, 2 policiers, 2 civils ont été tués et 2 assaillants ont été abattus. L'attaque a été revendiquée par un groupe séparatiste. Enfin, donc, Fardous, c'était dans les titres, les 2 Corées connectent une route à la frontière. En effet, Ahmed, la route en terre battue ne sort pas de la zone démilitarisée, mais qui divise la péninsule. Elle servira l'année prochaine à des opérations conjointes pour retrouver les dépouilles des victimes de la guerre de Corée de 1950 à 1953. Les 2 pays ont chacun construit une portion de terre de cette route dans la région de Cherol, quasiment à mi-chemin entre les 2 Corées. Il s'agit là d'un engagement pris par les 2 présidents sud-coréens, Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous.